Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous dans cette très belle ville de Beyrouth. Donc je me présente, Driss Khtsani, architecte à Casablanca. Mon ami et associé Mohamed Amin Siana et notre troisième ami et associé Saad Al-Qabbaj qui n'a pas pu être présent avec nous. Nous travaillons sous une forme de workshop après l'obtention de notre diplôme de la même école d'architecture à Rabat. Nous avons décidé d'établir notre agence d'architecture sous une forme d'atelier où chacun a ses propres projets et où nous pouvons travailler ensemble sur des concours et des projets plus importants. Donc cette notion d'atelier où chacun garde sa propre sensibilité et où en même temps nous pouvons confronter nos idées sur des projets particuliers fait, je pense, un peu l'originalité, la particularité de notre méthode de travail. Ça nous donne l'avantage de vraiment confronter nos idées, de dialoguer sur le projet de la genèse jusqu'à l'aboutissement. Ça prend beaucoup de temps. C'est un processus qui présente l'inconvénient de prendre beaucoup de temps. Mais je dirais que peut-être ça présente l'intérêt d'évacuer tout superflu de notre architecture, dans la mesure où chaque décision est discutée, confrontée. Et forcément, à la fin, vous finissez par évacuer les idées approximatives ou un peu superflues. Nous croyons en la contemporanéité en architecture, en la modernité, en le besoin de modernité. Nous croyons en la rigueur architecturale, structurelle, la géométrie, ce sont des notions qui nous sont chères. Et en même temps, nous avons la conviction qu'une architecture doit être de son temps, doit traduire son époque, donc son contexte également, mais en même temps peut-être dénoncer et évacuer ses travers. Et c'est toujours une ligne un peu sensible, très ténue, où vous désirez être de votre temps et en même temps ne pas tomber dans les travers de ce même temps, de cette même époque. Nous croyons énormément en l'impératif de contextualité. C'est aussi une des réflexions essentielles au niveau de notre agence. La notion d'attache, de sens, de contexte, de culture, tout ce qui finalement nourrit l'âme humaine et tout ce qui finalement constitue la culture d'une société et qu'à notre sens nous devons absolument retrouver dans une architecture. C'est pour ça que nous avons une grande admiration pour ce qu'on a appelé le mouvement du modernisme régional avec des maîtres tels que Alvar Aalto, Jörn Utzon, Barragán ou encore au Maroc, Jean-François Zévaco. Donc, nous avons eu la chance, dès le début de notre carrière, de participer à un concours pour l'université de Taroudant. Donc, c'est une ville au sud du Maroc, à 80 km d'Agadir. Et nous avons été directement confrontés à cette dialectique. Un patrimoine exceptionnel, le patrimoine de l'architecture vernaculaire du sud du Maroc, l'architecture en terre des villages, des Ksour, des Kasbah. Et en même temps, ce désir de modernité, de contemporanéité. Donc c'est sur ce registre un petit peu que nous avons travaillé. C'est un projet sur lequel nous nous sommes véritablement battus pendant 4 ans et qui, au final, a reçu un accueil positif aussi bien de la part des habitants de la ville que de la part des étudiants, donc, qui sont les principaux destinataires du projet. Donc le projet que nous allons vous présenter, l'École supérieure de technologie de Guelmim, est un peu dans la continuité de cette recherche. Il nous a été confié par le même client, et donc c'est un peu dans le droit fil de nos recherches pour ces établissements universitaires. Donc l'architecture dont je parlais, bien entendu une architecture sans architecte, mais d'une grande puissance et d'une grande qualité. Ici vous voyez un tissu urbain Rachidia, qui est une ville dans le sud du Maroc, où on peut déjà déceler des notions d'abstraction, de cubisme, de rigueur, moi je pourrais presque dire une notion de modernité dans cette architecture qui par définition est traditionnelle et vernaculaire. Les villages cubiques perchés sur les collines, en terre, qui semblent émerger de la terre, qui semblent émerger du mode de vie des habitants, et qui sont bien entendu totalement durables, mais inconsciemment. C'est une architecture durable par définition. Les Ksour, totalement intégrés dans les vallées, avec en arrière-fond les montagnes.
Bon, la célèbre Qasba Ait Ben Haddou, à proximité de Ouarzazate, qui est listée au patrimoine de l'UNESCO. Et je dois dire que de grands artistes et de grands architectes se sont inspirés justement de ce patrimoine. Je pourrais citer le Matisse, le peintre Majorel, ou encore les architectes Baragan, qui a notamment cité l'architecture du sud du Maroc comme une de ses sources d'inspiration dans son discours pour le Pritzker Prize. Également Jörn Utzon, qui s'est énormément inspiré de cette typologie pour ses célèbres maisons à Passio. En Finlande. Au Danemark, pardon. La même Kasbah, la Kasbah Ait Ben Haddou. Donc cette notion de clair-obscur, de contraste, de jeu, de cadrage, de jeu avec la lumière. Ce contraste intérieur-extérieur qui est une des recettes entre guillemets que nous avons utilisées dans nos projets. Donc toujours cette notion d'extérieur très fort, ocre, puissant, qui joue avec les ombres, avec la lumière, avec le clair-obscur. Et ces intérieurs immaculés de lumière, blancs, où une simple petite fente permet à inonder un espace de lumière. Et finalement, également l'architecture nomade un petit peu, qui est quelque chose de plus éphémère, de plus léger, qu'on peut retrouver dans les régions sahariennes du Maroc. Donc je vais passer la parole à Amine qui va vous présenter le projet proprement dit. Bonjour. Donc là, on va parler du projet, on va présenter le projet de Guilmim, un projet de 7000 m² qui nous a été confié par l'université Ibn Zohr d'Agadir. Donc, le contexte. La ville de Guilmim est une ville qui est située au sud du Maroc, qui a la nomination de Bab Sahra. Donc, de là commencent à émerger certaines choses, certaines contraintes au niveau de la température, une température qui peut arriver jusqu'à 46 degrés à partir du mois d'avril. Donc, une ville qui a un beau patrimoine, mais qui est un petit peu délaissée, qui a une nouvelle architecture qui est très délabrée et qui a une culture. Au Maroc, on a cette marocanité, mais on a différentes cultures qui représentent cette richesse. Et à chaque fois qu'on va travailler quelque part, on a besoin de connaître cette culture et ses spécificités. C'est ce qui nous permet de constituer un petit peu l'idée ou de comprendre un petit peu les sphères qui représentent chaque culture. Et à Guilmim, on a été vraiment marqué par une certaine la simplicité des gens et leur caractère. Donc là, on voit cette architecture, cette ancienne médina un petit peu volumétrique, où les formes et la matière se dessinent vers le ciel, les petits passages couverts où le clair-obscur s'exprime, où les petites ombres bougent. Et là, cette architecture, cette soi-disant nouvelle architecture qui a perdu un petit peu l'âme, mais qui a gardé cette naïveté et qui crée cette petite dynamique. Voilà. Donc le projet est situé au nord-ouest de la ville de Guilmim, à 2 km du centre. C'est un site qui est situé sur la route de la plage blanche, l'une des plus belles plages du Maroc. C'est un no man's land, c'est un terrain vide, nulle part, isolé. L'approche était telle qu'on ne savait pas vraiment est-ce qu'on avait besoin de poser un objet, parce que la superficie était un petit peu un leurre, c'était 7000 m², on aurait pu jouer un petit peu avec une composition plus ou moins relâchée, fermée, ou une décomposition et une défragmentation un petit peu de l'architecture. Vu un petit peu ce qu'on a vu dans la ville de Guilmim, est-ce qui est imposé aux gens cette densité un petit peu inhumaine, on s'est dit que ça serait bien de leur offrir une petite... modestement bien sûr, une petite défragmentation, un petit morceau de ville, une petite urbanité, quelques petits axes, quelques percées visuelles, des bâtiments qui sont défragmentés, qui pourraient leur permettre un petit peu de vivre à l'extérieur, tout en respectant un petit peu leurs us et coutumes. Donc le projet en lui-même, il vient dans un contexte très spécifique, un contexte politique où le Maroc cherche à décentraliser un petit peu et à pousser cette régionalisation un petit peu qui avance dans le pays. C'est très important parce que les étudiants s'arrêtaient, à peu près la majorité des étudiants qui n'avaient pas les moyens, arrêtaient leurs études à Guilmim au lycée, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller au centre-ville pour faire des études supérieures.
Et même les gens qui avaient les moyens, pour les filles par exemple, on ne pouvait pas les laisser aller au centre-ville, à Rabat ou Casablanca pour faire leurs études. Donc ce projet était le bienvenu car il permettait un petit peu à ces gens-là qui n'avaient pas les moyens ou aux filles en général de terminer leurs études et d'avancer ainsi, d'acquérir un certain savoir. Donc, le plan MAS. Donc, comme on a parlé de cette défragmentation, a été guidée par deux points. On avait déjà expérimenté plus ou moins cette approche dans le projet de Tialoudent qui, par sa taille de 20 000 m², on était obligé un petit peu de défragmenter et de décomposer un petit peu le projet. Mais là, on devait chercher une échelle moyenne, laisser tomber un petit peu la monumentalité que pouvait avoir Tialoudent de par sa taille, de par son programme, parce que c'est une université, et rentrer dans une hiérarchie d'espace. Et dans une composition, on pouvait passer par différentes tailles de bâtiments, différents modules et une hiérarchisation spatiale. Donc on peut voir au niveau du programme, il y a vraiment une hiérarchie des espaces. Donc c'est une école, donc ça reste assez spécifique par rapport aux universités. Une entrée accueillante où trois flux principaux se retrouvent, donc administration, enseignants, visiteurs et étudiants. Une deuxième phase où on retrouve le numéro 8, donc, qui est le bâtiment des enseignants, c'est un mélange un petit peu de savoir et de vis-à-vis entre les enseignants et les étudiants. Et le numéro 13 qui est la visite, qui est la buvette des étudiants. Donc un espace qui est destiné aux étudiants. Ouais, et les espaces d'enseignement bien sûr qui vont dégrader et qui créent cette perspective et qui créent cette ponctualité aussi. Donc là, cette défragmentation était imposée était guidée plus ou moins par trois éléments majeurs. Donc premièrement l'orientation nord-sud qui est très importante pour les salles de classe qui représentent la majorité du programme. Deuxièmement la biventilation qui est très importante. Donc on n'a pas de couloir qui est distribué entre deux classes mais on a toujours des coursives qui représentent aussi des balcons pour ce paysage magnifique dont on a hérité. Et l'organisation des flux bien sûr autour de deux axes qui donne directement sur un paysage magnifique qui sont les montagnes un petit peu du sud. Là, on voit un petit peu, bon, on essaie de voir un petit peu plus les plans et la distribution intérieure. Donc, on voit un petit peu la structure des différents bâtiments. Là il y a aussi une chose qui est très importante, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la rationalité structurelle un petit peu, qui était très importante de ce contexte. Comme je vous en avais parlé, il y avait deux contraintes majeures. La première était le climat qui était assez dur, principalement l'été. Et la deuxième, c'était que dans cette ville, qui était un petit peu décentrée par rapport au centre de Gaza, il y avait le prix de construction était très, très, très élevé. Ça nous a carrément surpris parce que c'était plus élevé que le centre de Casablanca. Pour deux raisons majeures. L'absence de matériaux de construction. Et la deuxième, c'est que c'est l'éloignement et l'accessibilité. On devait passer par des cheminements montagneux vraiment difficiles à chaque fois pour arriver à cette ville et poursuivre un petit peu notre chantier. Donc du coup, le budget qui était plus ou moins bien pour nous, était devenu très 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 serré parce qu'il a presque été coupé de moitié. Donc nous avons essayé d'avancer un petit peu par rapport à Tialoudent, de proposer quelque chose comme éventuellement l'architecture, intégrer légèrement l'architecture en terre éventuellement, et aussi présenter un carnet HQE qu'on a vu, c'était une initiative personnelle avec un bureau d'études. Mais vu les différentes contraintes budgétaires et aussi de timing, le maître d'ouvrage était carrément contre cette chose. Donc on s'est basé spécialement sur des approches totalement passives, d'aération, d'ouverture haute, afin de protection solaire. Des protections solaires d'ailleurs qu'on va voir et qui sont inspirées totalement du contexte un petit peu dont a parlé Driss, afin de préserver et de créer un microclimat qu'on a, je le dis et je le redis, qu'on a déjà expérimenté à Tialoudent et qui a fait ses preuves même dans des températures très élevées de 49 degrés. Donc là, on peut voir une première image qui représente un petit peu l'urbanité qu'on a essayé d'insuffler un petit peu dans le projet. Les différents passages, quelque chose qui nous a un petit peu marqué, c'est un petit peu les femmes de Glimim. Quand on passait à côté d'une femme, elle se voilait, elle se dévoilait, elle se voilait, elle se dévoilait. Il y avait ce regard, cette confrontation de vis-à-vis qui nous a poussé un petit peu à réfléchir à des protections, mais aussi une scénographie. Une scénographie qui permettait des fois de voir le passage, des murs qui protégeaient, on découvrait certaines personnes, on voyait des silhouettes, on voyait des ombres. Et ça a créé une certaine dynamique et une certaine animation qui nous a un petit peu motivés et qui a donné un très bon résultat sous le soleil magnifique de cette ville. Là, on peut voir les coursives. Donc,
qui sont orientées sud, bien sûr, qui représentent cette protection naturelle. Elles servent, bien sûr, à la circulation. Et deuxièmement, elles protègent. Et devant la majorité des portes des classes, on a cette peau qui cache un petit peu la structure, qui la voile, qui la montre et qui la cache en même temps. C'est toujours ce rapport entre voiler, dévoiler un petit peu les choses. Là, on peut voir les coursifs qui représentent un beau balcon orienté vers le sud. On peut voir les montagnes, les massifs montagneux un petit peu de l'est. On voit aussi l'architecture, la simplicité qui nous a inspiré un petit peu des gens là. Cette simplicité, ces volumes qui sont clairs, ces plans qui se dessinent, qui tournent et qui retournent, ces poteaux métalliques qui sont structurels, mais qui donnent cette légèreté et aussi cette semi-transparence qu'on a toujours recherché. Les cadrages. Et ce qu'on peut dire, c'est que juste une petite chose, le soleil du site est... D'accord. Là, un petit peu, c'est les cages d'escalier qu'on a essayé un petit peu de défragmenter, de ressortir, afin de créer ces cadrages vers les montagnes. Et ces passerelles qui se créent sont aussi des balcons, des promontoires où on peut découvrir un petit peu le paysage. Ces mêmes cages d'escalier. Là, on a utilisé les mêmes protections en bois qu'on a découvert un petit peu au centre-ville. Ces protections en bois, on devait principalement se protéger du soleil et non pas de la pluie. Donc, et qui représentent ici, comme on peut le voir, des petites façades et des totems qui ponctuent cette urbanité. Là, on peut voir le paysage. Ces mêmes cages d'escalier, leur force, le contraste entre le béton et les formes qui semblent flotter des fois pour les cages d'escalier. Ces fentes qui se créent. Ça marche pas. Là, on voit les protections, les différents types de protections. Il fallait non seulement se protéger du soleil et des rayons du soleil, mais se protéger de la luminosité. Donc là, on a utilisé ces éléments qu'on a découverts dans certaines maisons rurales. Donc ce n'est pas vraiment l'héritage traditionnel, mais c'est tout de même une réponse à un contexte bien précis. Ce qui a permis d'avoir un microclimat magnifique au niveau des bureaux et jouer le rôle un petit peu de lanterne et de signalistique magnifique le soir quand on passe devant l'école de Guelmim. Là, on voit toute la force, le jeu du clair-obscur, les volumes qui ressortent en tant que peau pour créer ces ombres qui animent, qui tournent avec la journée, l'orientation du soleil. Là, c'est des protections qui sont orientées nord, mais qui protègent de l'ouest. Parce que l'ouest, c'est par là que viennent les vents de sable, la majorité des vents de sable de Guelmim. Là, on voit ce rôle de protection, toujours un mur devant une entrée qu'on peut apercevoir la moitié. Donc, c'était toute une scénographie qui était plus ou moins travaillée. Là, on peut voir à l'intérieur les différents matériaux qui sont constitués. On n'avait pas les moyens, donc on a joué sur une palette qui est très réduite. Donc, c'est des palettes qu'on a à Casablanca, qu'on a découvert dans la majorité des bâtiments coloniaux un petit peu art déco de Casa. C'est du granit au poli blanc et de la mignonnette lavée grise pour les espaces extérieurs. Et du béton. C'est les trois matériaux qu'on retrouve au sol. C'est pas cher du tout. Ça participe à la blancheur intérieure de l'espace. Et les agrégats sont disponibles dans une carrière qui était tout simplement à côté. On voit ce contraste entre la blancheur, la luminosité et les couleurs extérieures. Et là, dans un espace, ce patio au niveau de l'administration, on a essayé d'exposer un petit peu ce rapport, créer cette couture entre l'extérieur et l'intérieur, de par la définition donc, du patio et aussi de par cette texture un petit peu rugueuse, ocre, qu'on découvre en contraste avec la blancheur des espaces intérieurs. Normalement, c'est un patio planté, mais il n'y avait pas de plantes encore. Là, on voit le jeu des ombres, le clair-obscur, les fentes, les dessins, les mouvements un petit peu. On a décidé de jouer un petit peu avec les ombres, mais de permettre à ces ombres de bouger à travers des petites fentes lumineuses. Dès qu'on a une ombre avec une petite fente de lumière, et à chaque fois qu'une personne passe, ces ombres se dessinaient sur la personne et créaient une petite dynamique intérieure. Là, on peut voir ces ombres qui bougent, donc la projection des ombres sur la personne qui circule et qui bouge et qui s'exprime. Merci.